Ça joue forcément dans le sens où, comme je te disais, c'est des capteurs qui sont hyper sensibles. Ils mesurent ben, comment le bateau il monte, il descend, il gauche-droite, ou le GPS et tout. Et t'sais, les histoires de tension électrique, pareil, le bateau, en fait, dans les mers du Sud, il monte des murs de vagues et il les tombe. Du coup, il y a des chocs. Et en fait, les chocs, ben, ça peut faire qu'il y a une petite cosse électrique qui bouge d'un coup. Donc là, c'est un drame. Ça peut être que tu as genre, un petit peu d'eau au fond du bateau et qui va rebondir et qu'il y a une petite goutte qui va aller se mettre sur un fil électrique et mettre en court-circuit. Et boum, là, c'est un drame. Et ça peut être des trucs comme ça, ou comme il peut perdre son GPS dans des chocs ou des trucs comme ça. Juste une donnée qui saute pendant une durée infime, et en fait, ça met le bus en défaut, quoi. Donc forcément, les conditions, ça...